Bonjour, chers élèves. Je suis Pinoc Rosen. Aujourd'hui, je reçois pour vous les jeunes décorateurs du Congo. Allons vite, découvrons-les. Bonjour, je m'appelle Bazé Bizonza Précieuse. Je passe en seconde. Bonjour, je m'appelle Bazé Bizonza Mercia. Je passe en L2 de biologie. Bonjour, je m'appelle Bazé Bizonza Yves Chikina. Je suis en première année d'études en communication. Je suis artiste peintre. Merci beaucoup. Alors, je vous ai vu à l'œuvre. Vous êtes en train de faire la décoration dans une école. C'est très beau. Toute personne qui passe est émerveillée de voir à votre âge ce que vous faites. Alors, nous allons commencer par le jeune maître qui va nous dire comment est-ce qu'il a commencé avec la décoration. Pour commencer, je suis le fils d'un artiste peintre. Et toute mon enfance m'a mené avec lui. Et c'est en 2020 précisément que j'ai commencé à dessiner avec de la peinture. Maintenant, à notre deuxième étudiante, comment est-ce que tu te retrouves décoratrice? J'ai commencé à dessiner, à faire des petits dessins dans le confinement. En 2020, on a commencé à dessiner avec mon frère. Après, on s'est amélioré. C'est seulement l'année passée que papa a commencé à m'emmener. J'ai commencé avec la peinture. C'est seulement l'année passée que j'ai commencé avec la décoration. Et à notre élève, tu peux nous dire comment est-ce que tu as commencé? Je voyais juste comment les autres dessinaient à la maison, comment papa faisait la décoration. Après, c'est mon premier travail que je suis venue décorer. Ok, c'est pour la première fois que tu passes à la décoration. Ah, que c'est merveilleux. Est-ce que tu aimes déjà? Oui, j'aime. Ok, en vous entendant, on dirait que vous êtes de la même famille, n'est-ce pas? Oui, vous pouvez nous dire comment on appelle votre père et vous pouvez nous faire découvrir cet homme qui a emmené ses enfants à la décoration. Il se nomme Bazé Bizonja Yves. Il est connu sous le nom de King. King. Monsieur King a emmené ses enfants à la décoration, donc vous a initié à la décoration. Pour l'autre, ça fait 2 ans, l'autre c'est 7 années. Et pour le jeune maître, depuis son enfance qu'il a commencé, c'est merveilleux, c'est très bien. Alors, chers jeunes, vous avez entendu ce que les autres ont dit. J'aimerais vous faire découvrir cela. Mais vous allez les voir à l'œuvre. Comment est-ce qu'ils font pour décorer et comment est-ce qu'ils commencent jusqu'à finir leur décoration. Vous allez voir les dessins. Alors, on vous laisse le temps de découvrir. Chers jeunes, je crois que vous avez vu ce que nos jeunes décorateurs font et que ça vous a plu comme moi. Alors, je vous invite à faire comme eux, à vous intéresser à ce que vous voyez autour de vous,
car cela pourra vous aider dans le futur. Ces jeunes, je crois que s'ils ne trouvent pas du travail sur ce qu'ils font à l'université aujourd'hui, ils pourront continuer ou encore nourrir leur famille avec ce qu'ils gagneront de la décoration. Et là, je vous passe ces jeunes qui vont vous interpeller à leur tour aussi. Quels conseils donnerez-vous aux jeunes qui sont à la maison, qui ont leur père, qui sont par exemple maître mécanicien ou encore maître soudeur, mais qui sont à la maison, qui laissent les parents seuls dans leurs ateliers? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Je commence par la plus jeune. Je leur conseille de beaucoup s'intéresser au travail de leurs parents, de beaucoup s'efforcer parce que ça va leur aider dans l'avenir. Pour ma part, je vous conseille de s'intéresser aussi parce qu'avoir un métier, c'est important. Parce que tu peux être docteur et avoir un métier à côté, c'est très important. J'appelle les jeunes de faire comme moi, de s'intéresser au métier de leurs parents. Chers élèves, j'espère que vous étiez émus comme moi. Vous avez découvert ces jeunes. Si vous êtes comme eux, vous voulez nous faire découvrir cela, alors veuillez nous contacter via notre chaîne EAD TV. Nous allons découvrir ce que vous faites, nous allons montrer aux autres ce que vous faites et continuer à interpeller les jeunes pour accompagner notre année de la jeunesse. Bye bye.